Et bonjour à tous les Breakers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation et présentation de véhicules. Précédemment, j'ai fait tous ces véhicules en présentation ainsi que customisation et test. Tous ces véhicules sont dans la même playlist et sont donc disponibles en vidéo si vous voulez aller les voir, leur customisation. Bon, après à savoir qu'il y en a déjà, ces deux-là sont déjà sortis, donc vous avez probablement pu les tester. Sinon, ceux-là sont pas encore sortis, seront bientôt disponibles sur GTA Online. Cette vidéo étant la dernière sur ce véhicule. Allez, prochainement, on fera la Ocelot R88, qui sera donc le dernier véhicule sur les trois que vous aviez voté. Et aujourd'hui, on s'occupe donc de la Dinka Sugoi, qui est donc une Honda type R. Moi, je la trouve vraiment joli, j'aime beaucoup son style. Après, elle fait limite un peu SUV, hein. Elle est tellement grosse, ça fait bizarre. Mais voilà, son design est complètement dingue, hein. Son carrossage, la pare-choc arrière, les phares, les feux. Franchement, c'est un design assez dingue. Et j'aime beaucoup ce véhicule, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en customisation. En attendant, on va ouvrir les portes et voir un peu ce que ça donne à l'intérieur et niveau moteur. Allez, on a tout ouvert, on va donc pouvoir faire un petit peu le tour de ce véhicule avec toutes les portes ouvertes. Et donc on regarde sous le capot et le moteur, bah là il est pas vraiment bien détaillé. Je dirais même il est pas détaillé du tout, c'est juste des dessins. C'est un petit peu dommage quand même pour une voiture comme ça de faire un si peu de détails. Ouais, bon, allez, on passe à l'intérieur côté passager. Et donc on retrouve pour la troisième fois le même intérieur. Ouais, donc cet intérieur là, bah, c'est pas compliqué, hein. On l'a vu dans celle-ci, la Overflow Imorgon, et il me semble qu'elle est aussi dans celle-ci. Je vais pas vous dire de bêtises, on va regarder de suite. Voilà, regardez, c'est le même. Je me mets en vue FPS. Et regardez, c'est exactement le même intérieur. Voilà. C'est un petit peu dommage quand même de qu'ils aient pas fait d'autres intérieurs. Et que là sur trois mêmes véhicules on retrouve trois fois le même intérieur. Après, comme je dis souvent à certains abonnés, on n'est pas très beaucoup, on n'est vraiment pas beaucoup même à jouer en vue FPS. Même moi quand je joue à GTA Online je suis pas en vue FPS, je suis en vue à la troisième personne. Donc du coup l'intérieur, honnêtement, c'est pas qu'on s'en fout mais un petit peu quand même. Ça fait plaisir de voir un peu l'esthétique intérieure d'un véhicule, de voir qu'il est bien fini et tout. Et ce qui nous préoccupe le plus, nous, c'est la vue extérieure du véhicule, son design à l'extérieur. Et le design à l'extérieur est plutôt sympa sur cette Dinka Sugoi. Donc on passe... Ah, on a même une planche. Là, à l'arrière, c'est rare de voir ça, d'ailleurs. Bon, là, c'est fermé. On passe côté conducteur. Bah, de toute façon, on va pas trop s'attarder. Hein. Je vous remonte juste un peu, mais c'est exactement le même que pour la Sugoi et la VSTR. Donc, voilà, même volant. Sauf la marque qui change, bien sûr. Hein. Encore une fois, c'est une automatique. Pédale de frein, accélérateur. Donc, voilà. Bah, l'intérieur reste sympa. Hein. Ça va bien avec le design de la voiture, hein, c'est sûr. Hein. Mais, bon, c'est vrai qu'à d'autres intérieurs, ce serait bien cool à voir. Mais c'est pas le plus important. Allez, on ferme tout ça et puis on va partir au garage pour la customisation. Allez, on a tout fermé. On va pouvoir démarrer le bolide. Je vais juste monter le son. Comme ça, vous allez bien entendre le bruit avec le son monté. Allez, on est parti. Donc forcément, c'est une traction. J'aime beaucoup le bruit, hein, vraiment. Allez. On est parti pour la customisation de cette Dinka Sugoi, qui est donc une sportive, blindage amélioré à 100%, frein de course comme d'habitude, pare-choc
diffuseur avant, série moustache. Oh la vache. D'accord. Diffuseur de course. Ok, diffuseur de course et moustache. Diffuseur sweep. Pas mal. Sweep en carbone, ok. Sweep couleur 1. Oh, j'aime bien. Diffuseur arc, pas mal aussi. Carbone, couleur 1, ok. Diffuseur GT, carbone, couleur, oh la vache, d'accord. Adhérence carbone, adhérence couleur 1. Bon, on va mettre couleur 1. Comme ça, de toute façon vous le savez, les customisations là, j'essaye de faire les plus poussées possibles. Vous voyez vraiment à chaque fois ce que ça donne les véhicules avec la customisation à donf quoi. Diffuseur de course. Diffuseur performant. Diffuseur sweep. Ok. GT. Pas mal aussi. Diffuseur de vitesse. Ok. Diffuseur turbo. Diffuseur adhérence carbone. Oh la vache! C'est impressionnant! Ouf. Oh non de Dieu le machin. Ok, bah, on va mettre pareil qu'à l'avant du coup. Moteur niveau 4. Échappement. Rond. Ovale. Rond groupé. Sport. Fendu. Carré groupé. Biseau carré. On va mettre le sport, hein. Ils sont sympas en sport. Ça va bien avec le design de... Ça va bien avec le design de... du pare-choc arrière. Calandre. Calandre bordure supérieure. Ok. C'est marrant, ça utiliserait jaune tout le long. Hein. Calandre de rallye. Calandre STX bordure Suprali. Ouais. Calandre de course. Calandre STX sub course. Calandre GT. Calandre supérieur, bordure supérieure GT. Mmh. Ah, je vais mettre celui-là à la limite. Capot. Capot de série en carbone. Couleur principale. En carbone. Ventilé. Ventilé carbone. Avec attache. De rue. Oh, il est pas mal celui-là. De rallye. Oh, d'accord. Performant. Pas mal aussi. Double ventilation. Ok. Capot sport. Et capot sport en carbone. On va y mettre celui-là, là. J'aime bien comme ça. Capot de rallye. Klaxon, on s'en fout. Éclairage, phare, au xénon. Les néons, on les a déjà préparés. On verra la couleur à la fin, comme d'habitude. Motif aussi. Rétroviseur. Rétro, couleur secondaire. Ah, ok, donc les liserés, ça sera la couleur secondaire. En carbone. Couleur 1. Couleur 2. Bon, on va mettre couleur 2 en tant qu'à faire, on va voir ce que ça donne. Plaque, encore une fois, je les ai pas mis à mon nom, c'est pas possible ça. Peinture, on verra après. Toit. Entrée d'air rallye. On va repasser à l'avant s'il te plaît. Merci. Entrée d'air circuit et LED carbone. Entrée d'air antenne carbone. Ah ok, donc il y en a l'antenne qui varie. Entrée d'air carré. Et LED 1. Ok. Entrée d'air GT. Antenne rallye. Ok. Entrée d'air sportive. Ah, on en a, okay. Ah ok.
va mettre celui-là. Bas de caisse. Ouais, il y en a un paquet. Bas de caisse en carbone. Bas de caisse de rue. On va peut-être mettre de l'autre côté, on peut pas. Voilà, on verra mieux. Bas de caisse de rue en carbone. Bas de caisse course. Carbone. Bas de caisse réacteur. Réacteur carbone. Bas de caisse rallye. Rallye carbone. Bon, autant mettre en rallye. Hein. Je vais le mettre en rallye carbone. Yeah, that's what I'm talking about. Eh ouais, frère. Aileron. Aileron ailette. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est... Ah ouais. C'est original comme aileron, ça. Aileron discret course. Ok. De rue. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. Flèche. Ok. Flèche en carbone. Oh. Aileron GT. Course en carbone. Oh, attendez, on va se mettre autrement pour mieux les voir. Voir ce que ça donne. Voilà. Donc aileron GT, c'est comme ça. Course en carbone. Aileron de course MK2. Ok. Ah, aileron plat dragster carbone. Ça correspond mieux. Hein. Les autres sont un peu trop, je trouve. Carbone. Aileron plat dragster couleur 2. Ok. What the fuck? Aileron de sport. Ok. Aileron de sprint. Oh la vache, d'accord. Alors là j'hésite un peu parce que celui-là franchement me plaisait bien. Mais bon. Le sport est pas mal, j'aime bien le sport. Allez, on va mettre le sport. Enfin, un sacré truc quand même. Hein. Suspension. Alors, on va voir si ça touche un peu au carrossage. Sport de compétition et course. Voilà, on va le mettre à fond là. Transmission. De course. Turbo. Aussi. Les roues, on verra après. Fenêtre. On les teinte à fond comme d'hab. Allez, on regarde maintenant les motifs. Alors. Bande rouge. Ok. Ouais, ok. Bande damier. Ah ok, avec les bandes en damier sur les côtés. Putain, ça fait penser au Mégane RS. C'est marrant comme truc. Bande Sugoi. Oh. Oh, j'aime bien. C'est pas mal. Vague. Waouh. Ah oui. Alors ça c'est beau. Oh ça c'est beau. Oh là là, ça j'adore. Pilote 23, donc là on est plus sur du rallye. Beat. Oh là là, ça c'est la classe, beat. Bon, ça se dit bite. Hein. Bishop. Ouais, il est sympa, il est sympa. Pilote 29, Eyes Find. Celui-là il est un petit peu moins joli. Encore que, c'est pas mal. Ça fait un peu véhicule course WTCC. Le style. Pilote 99. Ah oui, d'accord, là ça... Oula. D'accord. Ouais, il est pas mal non plus. Hein. Pas mal non plus, celui-là. Jackal Racing. Ah ouais. Il est joli, celui-là aussi. Il est sympa. Il est sympa. Wasabi Kitty, bah forcément, hein, quand on est sur du japonais,
On retrouve toujours cette wasabi là. Non, moi j'aime pas ça, vraiment. Pas fan. Et guerrier rouge. What the fuck, c'est quoi ça? Il y a un mélange entre un tigre et je sais pas quoi, et un singe. Ça c'est très très étrange. Ok, bon. Ah bah moi je vais mettre celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment stylé. Même si les bandes Sugoi j'aime bien aussi. Mais ouais, j'adore ça. Moi j'adore ces genres de vinyle. J'adore. Ensuite, donc il nous reste les couleurs et les jantes. Donc peinture, non. Peinture, couleur principale. Chrome, ça donnerait ouais, pas terrible. Alors, mat peut-être, noir. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, c'est pas mal mat, hein. Ça fait ressortir les vinyles. Les couleurs mat, c'est dingue. Hein. Métallisé. Ah, en bleu, elle est jolie. Hein. Ah, je trouve que le bleu il va bien dessus. Allez, hop. Après, couleur secondaire, c'est toutes les petites bandes jaunes, je suppose. Voilà, on peut les passer noires, blanches. Donc ça va jusqu'aux ailerons. Bleu nocturne. Violet. Rouge. Ah bah c'est pas mal en rouge. Rouge foncé. Orange. Jaune. Vert, vert forêt, bah on va mettre en blanc, ça fait ressortir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, ça fait ressortir un peu le reste. Allez, hop, couleur finition. Ah ça c'est l'intérieur, bon, on va le faire bleu. Bleu cobalt, bleu foncé, histoire de pas trop que ça se voie de l'extérieur. Voilà. Ensuite, du coup, il nous reste l'éclairage, kit néon, couleur. Je pense qu'on va mettre bleu. Hein. Voilà. Franchement, elle est propre. Hein. Waouh. Franchement, moi, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Qu'est-ce qu'il me reste? Les jantes. Même si les jantes, franchement, elles sont stylées. Hein. Oh, les jantes, là. Elles sont vraiment stylées, les jantes. Mais bon, je les ai pas changées sur la voiture d'avant. Donc là, on va quand même changer un petit peu.
Oh, les deux par 7 là-dessus. Ouais, allez. Je les mets rarement, mais allez, pourquoi pas. Ouais, allez, allez. Hop. On va les laisser noirs. Comme d'habitude. Pneus. Apparence. Hop. Un meilleur ressort des pneus. Okay. Fumer des pneus, on s'en fout. Bon, bah voilà. On a fait le tour, les amis. Allez. On a donc fini avec la customisation de la Dinka Sugoi. Regardez-moi ce monstre. Je la trouve exceptionnelle. Regardez-moi ça, franchement. C'est dingue. Franchement, moi, j'adore l'esthétique de ce véhicule. Après, ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même assez spécial. C'est vraiment très poussé dans l'aérodynamisme. Et mais moi, en tout cas, j'adore. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me plaît. Moi, je suis comme un dingue là-dessus. Oh là là là, et magnifique, regardez-moi ça. Moi je suis... Ah, je suis en plein kiff. Donc voilà les gars, je vais maintenant faire le circuit que je faisais habituellement. Tout simplement pourquoi, je vais vous expliquer. Parce que dans la vidéo précédente avec le Yosemite, je me suis dit, allez, pour faire plaisir un peu à tout le monde, je vais rouler un peu dans Vice City avec le Yosemite. Eh ben non, 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 faut qu'il y en a qui disent, ouais, pas mal la vidéo, mais le fait que tu roules pas sur la map de GTA 5, on se rend moins bien compte. On se rend moins bien compte de quoi? Franchement, expliquez-moi, parce que j'ai du mal à comprendre. On se rend moins bien compte de quoi. C'est exactement pareil. Enfin bref, du coup, je retourne sur la map habituelle, avec le circuit, habituel, et on est parti. Je vous laisse écouter le son de la voiture et tout, comme d'hab. Allez, c'est parti. Et voilà les breakers, on a donc terminé avec la présentation, customisation et test de la Dinka Sugoi. En tout cas, elle est plutôt performante, bonne accélération, bonne vitesse de pointe, c'est un véhicule assez intéressant. Après ça reste une traction, donc du coup on peut pas trop dans les virages, ça a tendance à partir un peu en sucette, faudra faire gaffe. Avec un tarif normal à 1 224 000 GTA dollars. Et avec le tarif spécial, si vous l'avez eu pendant les braquages en véhicule de fuite, vous l'aurez à moins d'un million. Donc c'est clairement un véhicule qui a un prix plus que raisonnable, plus qu'abordable.
Et bah franchement ça fait plaisir parce qu'il est vraiment très peu cher et plutôt performant. Et vraiment esthétiquement, moi j'adore énormément cette Dinkasuga. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi pas lâcher le gros pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et que vous découvrez la chaîne via cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo customisation pour la R88 les potes. À la prochaine, ciao. Honda, fort comme on ronde, la Vendetta sort le Honda. Me gusta la mañana, me gusta tu. La desgracia me pegas.